Dans le psaume 89, au verset 42, nous avons ici le roi David amenant à la mémoire le pacte de Dieu, disant la chose suivante qui arrive aux Israélites. « Tous les passants l'ont pillé. On ne peut pas être contre la volonté de Dieu. Celui qui désire faire sa propre volonté va voir que ça n'a avancé à rien, parce que ceux qui vont passer sur le chemin vont le dépouiller. Et elle deviendra, il dit comme ceci, l'exposé aux outrages de ses voisins. Il sera la honte de ses voisins. Dieu ne veut pas cela pour vous, non. Cherchez à connaître la volonté de Dieu, qui est infiniment meilleure que votre volonté. Luttez pour elle et faites cette volonté et vous allez être grandement bénis. Voyez ce témoignage. Il y a 2 ans, j'ai eu un AVC. Je suis sortie de l'hôpital en chaise roulante. J'ai marché avec un déambulateur et... Comment vous êtes arrivée ici aujourd'hui? Je suis venue avec de fortes douleurs aux jambes et j'ai eu besoin d'aide dans la rue. Comment est-ce que vous marchiez? Tirant, je suis arrivée à 10 heures ici. Elle est venue à 10 heures. Voyez ça, mes amis. Comment vous êtes arrivée? Limitez comment vous êtes arrivée. Tout tordu. À présent, marchez normalement. Marchez normalement. Allez, Ruth. Allez, Ruth. Voyez ça, mes amis. Voyez quelle bonne chose. Oh Jésus, quelle chose bénie. À présent, je prie avec vous. Oh mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je prie pour cette personne qui a été exactement cela, Père. L'opprobre de ses voisins et tous ceux qui passent par elle sur le chemin l'ont dépouillé. Donne-lui la victoire à présent, Père. Je bénis cette vie au nom de Jésus. Amen.